nous sommes ici sur la station de Saint-Paterne qui traite la grande majorité des effluents de la communauté urbaine d'Alençon. Nous sommes ici face au bassin d'aération, un des deux bassins d'aération qui est en opération de maintenance, une opération de maintenance lourde, puisque nous avons vidé ce bassin qui fait plus de 8000 m3 depuis une quinzaine de jours et nous sommes en train de renouveler les systèmes d'aération qui permettent une bonne épuration des eaux usées. Cette opération qui dure sur une durée de 3 semaines à 1 mois est critique et importante pour la station d'épuration puisque c'est elle qui assure l'épuration des eaux usées de l'agglomération. Nous rencontrons lors de ce vidange de bassin une quantité de déchets, du sable, des lingettes et plus particulièrement ces lingettes qui restent un véritable problème pour nous. Puisque au-delà de leur aspect biodégradabilité, elles viennent s'accumuler dans les réseaux, dans nos équipements et nous empêchent de mener à bien certaines opérations de maintenance ou d'exploitation et entraînent un coût plus élevé pour l'épuration des eaux usées et donc pour le budget de la communauté urbaine d'Alençon.